Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo et la vidéo va être sur une coiffure rapide que je vais vous réaliser. Donc, pour cette coiffure, vous aurez besoin bien sûr de tout ce qu'il faut, donc tout ce qui est eau. Moi, je vais appliquer un gel avec un leave-in sur mes cheveux, un edge control avec la petite brosse. Je n'ai pas obligé d'avoir une brosse comme ça, mais ça peut être une brosse, n'importe quelle brosse. Une peigne comme ça pour bien séparer les cheveux. Une brosse pour brosser ses cheveux et j'ai une autre brosse pour aplatir, donc vous n'avez pas besoin de tout ça, mais c'est bon, c'est juste moi j'utilise tout ça quand je veux plaquer mes cheveux et des élastiques. Voilà, donc on va déjà commencer dans un premier temps. Hop, mes cheveux sont dans, ah oui, c'est là où c'est, je cherchais ça en fait. Mais quand même, un hot mess. Donc, dans un premier temps, vous allez hydrater vos cheveux. Les cheveux sont bien, ils sont hydratés. Ah, ok. Donc, première chose, on va déjà commencer avec ça. Hop. Hop. Et hein, on va juste séparer les cheveux comme ça. Je ne sais pas si c'est droit, mais des fois, je ne me prends pas la tête que ce soit droit ou pas. Voilà. Je ne suis pas sûre que c'est droit, donc moi ce que je vais faire, je vais venir avec ça et je vais juste et ensuite voilà. Donc moi, ce que je vais faire, j'avais vu cette coiffure sur Natural 85 et moi je vais hop faire un swoop, mais je vais faire un zigzag cette fois-ci. Je vais voir si j'arrive à le faire. Je vais faire comme ça et après on va faire un petit zigzag pour changer. Et voilà, ok. Donc je vais faire juste un petit truc comme ça, juste un petit zigzag pour faire joint. Et je vais attacher ce côté avec un petit élastique que j'ai. Et voilà. Donc maintenant, je vais appliquer mon leave-in. Sous les pointes. And go up the roots. Move attack. Donc, j'ai hydraté un côté et je vais hydrater l'autre côté de la même manière. Donc, pour cette coiffure, je vais appliquer ce gel là. Donc ça, c'est le gel de Main Choice Crystal Orchid. Donc c'est super comme gel. C'est mon c'est l'un de mes gels préférés aussi, que j'adore utiliser sur mes cheveux. Donc je vais prendre un peu, après je vais mettre beaucoup. Dans tous les cas, je lave mes cheveux presque tous les jours en ce moment. Je sais que c'est pas bien, mais c'est comme le pollen, ça me dérange, je le fais tous les jours en ce moment. Je vais mettre beaucoup de gel, je sais.